Bonjour. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce lundi 4 février, jour de la nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à poser vos intentions pour que celle-ci ait plus de poids, plus d'énergie pour se réaliser, pour vous aider à la concrétiser. C'est très important. Je vais commencer en attendant que vous arriviez. Voilà, je vois que ça commence à arriver, c'est parfait. Vous parlez du petit sondage que j'ai mis hier concernant d'éventuels ateliers avec le pendule. C'est une chose à laquelle j'avais pensé la semaine dernière. Et puis dans le live avec Sébastien, et ben c'est arrivé sur le sujet. Et je me suis dit comme quoi, voilà. Mon idée ou ma pensée n'était pas vaine parce qu'il faut peut-être que je fasse quelque chose pour vous aider à vous servir du pendule et puis aussi surtout à interagir avec les dessins vibratoires agissants que je vous propose qui, je vous le rappelle, il y a celui-là, hop, je le mets à l'endroit, qui est un dessin agissant de guérison, donc vous pouvez amplifier l'énergie, votre énergie, pour émettre une intention de guérison pour vous ou pour vos proches. Et le tout dernier que je viens, qui n'est pas encore terminé, mais je vous le dévoile, c'est pour activer les chakras et aussi les équilibrer. C'est pas le mot qui me vient, j'ai encore aligné. À chaque fois, j'ai le mot aligné, mais les chakras sont par définition déjà alignés. Ça va me revenir. Donc voilà, il y a ça. Donc là, il y a un mode d'emploi bien spécifique pour activer chaque chakra et après pour équilibrer, harmoniser. Voilà, c'est le mot. Harmoniser les chakras les uns aux autres. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit sondage. Ceux qui seraient intéressés, donc je ne sais pas encore. Sous quelle forme, donc ce sera sous forme d'atelier interactif, hein, virtuel. Après, est-ce que je fais deux groupes, les débutants qui ne se sont jamais servis d'un pendule et qui aimeraient, ceux qui connaissent déjà le pendule mais qui ne savent pas, qui voudraient l'utiliser pour mes dessins vibratoires. Voilà, donc il y a plein d'interrogations. Ça me vient comme ça au compte-gouttes. Bonjour Michel. Et donc je suis certaine que je vais avoir les réponses dans les jours à venir. J'ai mis l'intention. Donc moi, une fois que j'ai émis l'intention, il faut que j'attende que l'information arrive. Et généralement, ça ne met pas très très longtemps. Donc si vous me rejoignez, merci. Regarde Michel, je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai fait hier. Le dessin vibratoire agissant pour activer les chakras et les harmoniser ensemble. Voilà, donc ça il va y avoir après un travail. Je l'ai testé pour moi hier. C'était bien, ça correspondait à ce qu'on m'avait déjà dit. Et c'est vrai que le fait d'activer... ça a fait bouger des choses en moi. J'ai bien senti qu'il y avait du changement. Maintenant, je n'ai pas vérifié ce matin. Je vais vérifier si c'est bien... si ça agit vraiment à 100% ou s'il faut que je retravaille dessus. Donc ça, je vais faire ça dans la journée. Voilà, voilà. Donc... oui, mais Michel, tu es toujours au volant, c'est pas très prudent. Hein? Bonjour Catherine, sois prudent surtout. Et puis, de toute façon, vous savez bien qu'il y a le replay. Sans problème. Donc voilà, allez, on va tirer la carte. Hier, il n'y en a pas eu. J'ai failli faire quand même. Puis je me suis dit non. Allez, c'est dimanche, j'avais des choses... que j'ai peut-être délaissé dans la semaine et que j'avais envie de profiter pleinement en cette journée qui était très ensoleillée hier. Voilà, et j'ai eu une pensée pour vous quand j'étais
à la basilique de Lisieux, où voilà, où j'ai demandé que tout se passe bien pour ceux qui suivent cette page. Allez, hop, la carte du jour. Je crois qu'on l'a déjà eu. Je n'en suis pas sûre. Les soins du corps. Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Et c'est aussi prendre soin de votre corps. Donc je vais regarder dans le petit livret si j'ai un peu plus d'informations. Cette carte vous encourage à vous impliquer dans les soins du corps afin de vous guérir et de guérir les autres. Je précise bien, le premier c'est vous guérir, parce qu'il est primordial que vous pensiez à vous d'abord, avant de pouvoir vous occuper des autres. Recevoir et donner des massages ou toute autre forme de soins du corps est au cœur de votre vie et lui donnera tout son sens. Il apparaît que vous avez des mains guérisseuses et que vous avez été conçu pour les arts curatifs, et ce, il y a bien longtemps. Cette carte vous confirme que c'est le bon chemin à prendre et que vous vous sentirez accompli en le suivant. Le challenge pour vous est de prendre grand soin de votre corps pendant que vous cherchez le bon chemin pour prendre soin des autres. Vous êtes un donneur né. Cela implique aussi d'envoyer de l'énergie curative à vos proches, à vos clients. Assurez-vous de vous inclure dans le lot avant de prendre le temps de faire de l'exercice, de recevoir des massages et aussi des traitements. On vous encourage à suivre des cours qui reflètent vos intérêts naturels dans plusieurs modalités guérisseuses. En ayant une approche éclectique du travail du corps, vous vous assurerez que ces intérêts restent fervents et de haut niveau. Voilà, donc réfléchissez pour cette carte. Peut-être vous avez envie de donner de votre énergie dans le but d'apaiser les autres, ou de recevoir des soins aussi. Peut-être que vous en avez besoin actuellement. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de prendre soin de vous. Et comme vous voyez, il n'y a pas de hasard, puisque c'est bien dit que, voilà, on vous encourage à vous impliquer dans les soins du corps, quels qu'ils soient, hein, il y a plusieurs sortes de soins du corps, et que vous avez été conçu pour les arts curatifs, et ce, il y a bien longtemps. Vous êtes un donneur né, cela implique aussi d'envoyer de l'énergie curative. N'est-ce pas là ce que je viens de vous faire voir? Le dessin vibratoire agissant. Donc un dessin vibratoire agissant, c'est qui va vous permettre, ça va être un support puissant pour la guérison d'autrui. Hein? Donc là, s'il y a des... Je veux dire n'importe quoi. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous manquez de confiance. Le chakra racine est très certainement sous-activé. Donc grâce à ce dessin vibratoire et les codes qui sont là, donc là ça va amener l'énergie de la terre et vous allez avoir l'énergie du ciel qui va descendre et vous allez pouvoir activer ce chakra tout en l'harmonisant avec les autres. Donc ça se fait à l'aide du pendule, et ça je l'expliquerai dans les ateliers. Ou alors
Je vais faire comme pour le dessin à le dessin vibratoire agissant de guérison. Je le mettrai en vente sur mon site, bien entendu. Voilà, donc il y aura toujours le mode d'emploi. Il y aura il faut que je fasse un petit récapitulatif de chaque chakra. Qu'est-ce qu'il produit quand il est sous-actif? Qu'est-ce qu'il produit quand il est suractivé? Et quand il est bien équilibré? Voilà, et le mode d'emploi, bien évidemment, pour. Donc voilà, je suis en train de préparer tout ça. J'espère que ça va vous parler, que vous allez être intéressé. Je prévois aussi l'atelier pour le tarot. Pour l'instant, j'ai mis un petit sondage. Pour l'instant, il y a 9 personnes qui étaient intéressées. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà bien formées, tout ce qui est soins énergétiques et tout ça. Et il y en a d'autres qui aimeraient se former, qui n'ont pas encore. Je pense qu'ils ont déjà en eux ce qu'il faut, mais que ce n'est pas encore sorti. Coucou Sophie, oui, ça va être intéressant. Et je pense qu'il va y avoir comme ça d'autres planches. On appelle ça des planches en radiesthésie. En fait, c'est le principe de la radionique. On utilise les ondes de forme pour les activer et produire le résultat escompté. Donc il en existe déjà toute une série hein, qu'on peut trouver dans le commerce. Bon, on m'a donné cette possibilité de faire ça et je trouve ça génial. Voilà, et j'espère pouvoir vous en faire profiter. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous rappelle la carte soin du corps. Donc cette carte vous rappelle de prendre soin de vous, mais aussi de donner des soins aux autres, de prendre soin des autres. Et ça peut passer par différentes façons, différentes manières. Voilà, donc j'attends un petit peu voir si vous avez des questions par rapport à ça. Hop, je suis en train de regarder. Voilà, donc répondez au sondage hein, que j'ai mis sur la page Facebook. Après, j'ai ma petite idée hein, de savoir comment ça va se passer. Il va y avoir une offre de prélancement. Allez, je vous le dis. Il va y avoir une offre de prélancement. Cette offre de prélancement, elle va être vraiment, j'allais dire, à très bas prix ou gratuite même. Donc il va falloir bien entendu que vous ayez les dessins vibratoires agissants. Donc ça, ce sera à votre charge. Le pendule, faut que je voie aussi parce que est-ce qu'il faut un pendule spécifique, celui que moi j'utilise, ou alors moi celui que j'utilise, c'est celui-ci. Le pendule énergie. Voilà. Donc il faut aussi que je regarde si ça fonctionne pareil avec un autre pendule. Donc ça, je vais tester. Et évidemment, je vais peut-être pas pouvoir faire tout le monde gratuitement. Donc je pense que tous ceux qui sont intéressés par le sondage, je vais faire un tirage au sort. Je vais en tirer peut-être 5, 5 ou 6, je ne sais pas. Et en fait, mon temps de présence avec vous, vous sera offert. Voilà, ça c'est l'idée que j'ai. Après, il faut que ça continue de. Je vais certainement avoir d'autres informations parce que je l'ai demandé. Et ça permettra aussi d'ajuster en fait les véritables ateliers qui auront lieu ensuite régulièrement par rapport à ce que vous allez me renvoyer. Parce que je compte sur vous que vous puissiez me dire là il faudrait que tu expliques davantage ou ça non, il n'y a pas besoin. Ou, voilà. Donc je compte vraiment sur une interaction entre nous pour peaufiner cet atelier. Voilà. Donc je pense que ça va être un moment qui va être très intéressant, très formateur pour vous comme pour moi. Ça va demander encore un petit peu de temps, mais je suis certaine que ça va aller. Voilà, donc je vous en ai dévoilé un petit peu plus que je ne pensais le faire.
Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Vivez-la pleinement. Prenez soin de votre corps. Il me vient l'alimentation. Les soins du corps, ça passe aussi par l'alimentation. Faites donc attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Et puis, je vous dis à demain dans l'énergie vibratoire du cœur.